Durant cette semaine, nous verrons comment optimiser la mémoire en langage C et notamment comment allouer et désallouer dynamiquement de la mémoire dans votre programme. Nous aborderons également la compilation avec plusieurs fichiers sources. On verra également les bibliothèques, notamment la bibliothèque mathématique. Et puis on verra quelques algorithmes avancés en langage C. C'est parti !